Allez, 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 allez. Oui, Jean-Luc, tu sors aussi. Vas-y. Allez, pareil. On est haut, on est haut, on est haut. Tu rentres avec, voilà. Restez aligné, ne reculez pas. Patrick, on ne t'a pas demandé de venir aider quelqu'un qui n'en a pas besoin. Oui. Ah, ne reculez pas, c'est le tien. Vous êtes deux dedans, un de trop. Restez haut, restez haut. N'aidez pas quand ce n'est pas indispensable. Joue avec, joue avec, joue avec. Fermez, fermez ensemble, oui. Sébastien, où est ton vis-à-vis? Ne t'occupe pas du pivot, n'essaie pas de défendre sur tout le monde. T'as un vis-à-vis, tu t'en démerdes. Ne reculez pas, ne reculez pas, faites-les reculer. Faites reculer. Ah, Patrick, t'es en retard. Progressivement, il faut augmenter les problèmes que l'on pose à l'attaque adverse. Quand ils sont en difficulté, ne leur laissez pas le temps de se récupérer et de réorganiser leur attaque. Jouez. Ne recule pas, ne recule pas. Reprenez haut, reprenez haut. Oui, lâche. Oui. Encore. Ne recule pas. Ne reculez pas, vous êtes trop bas, oui. Jouez, 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 plus d'activité. Les attaquants, vous cherchez des solutions au bout de deux passes. Ils ne vont pas se pousser. Il n'y a pas de situation, cherchez plus loin, replacez-vous. Ne recule pas, ne recule pas. Ne recule pas, ne recule pas. Laisse. Pousse pas. Doucement, c'est rien, allez, 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 reprends. Une minute, gardez. Plus, 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 il a dribblé. Plus, il a dribblé encore. Sortez. Sors, 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 sors. L'important, c'est pas qu'il n'y ait pas de tir. L'important, c'est que le tir qui va être provoqué va l'être dans des mauvaises conditions. N'essayez pas d'empêcher l'équipe adverse de tirer. Pendant 60 minutes, on ne va pas y arriver. Hein. Par contre, autant qu'il tire dans des mauvaises conditions. Là, il a dribblé, il est mort. Il est mort. Top. Si la même action, tu la déclenches un peu plus tôt, il dribble ici à l'arrêt. Ce qui veut dire que tu peux décrocher. Même si tu es battu, tu vas être abattu. Et quand il va t'avoir dépassé, il va être ici. Et ici, il ne peut rien faire. Ça veut dire que même en te battant, il n'a pas trouvé la solution. Donc, alors que si tu laisses venir faire le 1 contre 1 ici, sur un pas derrière, il est en situation de tir. Donc les 1 contre 1, il vaut mieux qu'on les prenne à 13 mètres, parce que même si on est battu, le porteur de balle n'a pas situation de tir, donc on a le temps de se réorganiser dessus. Allez, deux, et on arrête. Ah, ah, ne recule pas! Pareil, dribbler, 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 oui, 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 voilà. Dès qu'il y a un dribble sur une course en travers, n'hésitez pas, on individualise et on interdit les sorties de balles. Dernière. Sans reculer, sans reculer, sans reculer. Reprenez du champ. Christophe, il faut sortir avec le poste. Oui, on fait fixe dans le secteur central. Dernière, stop, allez-y, allez boire.
demander à notre numéro 3 de défense d'assurer le flottement qui va permettre de prendre un ailier à l'intérieur. Et donc qui va permettre surtout au numéro 2 de rester très haut et continuer à repousser le numéro 2 adverse. Un passeur fixe servant pour assurer la circulation de balle. Donc lorsque le ballon est à l'ailier, l'ailier peut travailler sans pour autant que le numéro 2 soit perturbé. Il reste, il assure une position haute. Et c'est le numéro 3 qui vient aider dans son flottement, tout en se protégeant de passes longues pouvant parvenir au pivot. D'accord ? On joue de ce côté, puis de ce côté. Le pivot joue des deux côtés, le passeur fixe joue des deux côtés. Allez, c'est parti là-bas. Le but du jeu, si on a le numéro 2 qui est haut, c'est pas pour qu'il regarde tirer son vis-à-vis. Reste haut, François, reste haut, reste haut. Hein? Tu restes haut et c'est numéro 3 qui vient aider. Allez, allez, allez. Oui, Jean-Luc, c'est bien, repousse-le, repousse-le. Ne laisse pas embarquer. Ne laisse pas embarquer sur son passage de bras. Repousse-le avant qu'il commence à jouer. Reste haut. François, ce ballon, il aurait déjà pas dû ressortir. L'ailier qui fait un tour complet à l'aile, il faut qu'à la sortie de son tour complet, toi, tu sois sorti sur la trajectoire. Tu dois laisser le type se démerder tout seul tant qu'il peut se démerder tout seul. Tu n'y vas véritablement que si il est battu. Allez. Laisse faire. Ça c'est pour le gardien tout ça. Là aussi, tout ça c'est pour le gardien. Ah ouais. Ah, François, il y a trop, t'as trop d'évolution, tu fais trop de travail. Marque plus ta position. Jean-Luc, ne lui laisse pas 3 mètres pour prendre son élan et venir te marcher dessus en contre un. Coupe son espace d'engagement. François, reste là, ne t'occupe pas, oui. Voilà, là on commence à prendre, c'est maintenant que ça devient intéressant de défendre. Allez, 2 minutes, vous y êtes plus, donc vous allez y revenir. Allez, c'est parti ici. Allez, plus d'activité les rouges. Allez, vous y êtes. Allez, enchaînez. Reprends-en, François, reprends-en, ne recule pas. Allez, reviens. Parti là-bas. Jouez, Rudy. Allez, Sébastien. Allez, on est battu, François, tu ne dois pas te laisser pénétrer à l'intérieur. Ouais, Rudy, tu dors au milieu, là. Ah, reste là, oui, reste-y. Ne la laisse pas revenir, cette balle. T'es contre lui, François. Pourquoi tu reprends 2 mètres de pour lui redonner ses 2 mètres d'espace? Reste-y contre lui. Allez, un coup de chaque côté. Allez, plus d'activité, rouge. Plus. Ne recule pas. Oui, là-bas. Oui, ça va, c'est parti. Plus haut, François. Plus haut. T'emmerdes pas avec ce qui se passe là-bas. Change. Reprends de la distance.
Numéro 3, à partir du moment où tu es libéraux et que tu joues sur les courses, il faut surtout pas que les ballons pénètrent, hein. Cette situation, en ne créant plus qu'un seul secteur de jeu, on supprime le passeur fixe, ce qui a pour effet d'avoir ailier arrière, arrière, ailier pivot. 5 attaquants, 6 défenseurs. On va se retrouver dans une position d'alignement de départ avec 2 défenseurs hauts, les deux numéros 2, et 4 joueurs alignés derrière. Il faut que petit à petit, en fonction des difficultés de l'attaque adverse, on puisse parvenir à une situation où on va avoir un joueur derrière, 5 joueurs alignés devant. Donc petit à petit, on doit faire reculer l'équipe d'attaque et donc les ailiers qui étaient au départ enfoncés et alignés à 6 mètres doivent progressivement ressortir.